Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour le volume, je suis en train de travailler donc au jardin et il y a des voitures et des motos qui passent. Donc je vais essayer de parler à un peu plus fort pour permettre à tout le monde donc de pouvoir écouter les explications. Alors c'est un pull pour une taille de 4, 5 et 6 ans. Donc 4, 5 et 6 ans. Alors c'est un pull avec un motif de Mickey Mouse. Et c'est très facile à réaliser. Alors pour commencer donc la réalisation de ce pull, vous aurez besoin des aiguilles droites ou circulaires. On aura besoin donc première partie, j'ai pris du beige. Il y aura plusieurs couleurs donc pour réaliser le motif. Alors pour commencer, on va commencer avec la réalisation des deux manches. Donc pour réaliser les deux manches, avec des aiguilles numéro 3, je vais monter 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 mailles. Voilà donc 40 mailles avec des aiguilles circulaires numéro 3 ou des aiguilles droites numéro 3. Et sur les 40 mailles, je vais monter 18 rangées en côte de 2. Donc les côtes de 2-2, vous connaissez déjà. C'est moi, donc je vais faire 2 mailles à l'endroit. 2 mailles, je vais tricoter à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers sur les 40 mailles. Donc on va terminer. Alors tout à l'heure j'ai pas précisé donc la laine. Vous aurez dans le matériel donc pour réaliser ce pull. Je vais terminer donc par 2 mailles à l'envers. Oh, il fait chaud. Fait chaud. Alors pour la rangée retour, on va prendre donc les mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit et 2 mailles tricotées à l'envers sur les 40 mailles. Donc au total, on va monter 18 rangées en côte de 2-2. Donc voilà là les 18 rangées que j'ai réalisées pour la première manche tout à l'heure. Alors, vous allez voir comment je fais donc pour réaliser ces deux petites pattes et souris. Donc pour réaliser ce motif, on monte d'abord 18 rangées en côte de 2-2. Voilà. Lorsqu'on aura terminé de monter les 18 rangées en côte de 2-2, je vais augmenter Donc, avec la couleur B, donc moi j'ai choisi du rose. Du rose un peu cassé. Donc je passe des aiguilles numéro 3, je passe aux aiguilles numéro 4 et demi. Alors là, je change de couleur. Et un peu devant, si ça change un peu. Je fais donc une maille, 2, je vais faire un petit nœud ici pour ne pas donc laisser échapper une maille. Voilà.
Donc je fais deux mailles. On va tricoter donc. Donc je fais une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers pour avoir donc deux rangées en jersey endroit. Donc on termine toute la rangée à l'endroit. Et donc pour la rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers pour avoir donc deux rangées en jersey endroit. Je retourne donc, je vais tricoter les 40 mailles, je vais les tricoter à l'envers. Alors, j'ai laissé échapper quelques mailles. Une, deux, trois. Donc, je vais terminer la rangée retour. 48, 38, 39 et 40 mailles. Donc, 40 mailles de rangée en jersey endroit. Alors, pour la troisième rangée, je fais une maille tricotée à l'endroit. Je fais une augmentation intercalaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une maille augmentée au début, on prend, fait 15 mailles, fait une deuxième augmentation intercalaire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc je disais une maille augmentée au début de la rangée, la deuxième maille après. Donc j'ai perdu le compte tout à l'heure. Donc au total on aura augmenté de 3 mailles, donc, ça nous fait 43 mailles. Ça fait déjà 3 rangées en jersey endroit. Donc sur les 43 mailles on monte au total, je vais aller un peu rapide parce que tout à l'heure j'ai travaillé hors caméra. Donc, vous avez 43 mailles et donc après vous montez 6 rangées en jersey endroit sur les 43 mailles. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des petites boules de laine différente, du prix du noir, du blanc et du rouge pour la réalisation du motif. Donc pour la réalisation du motif côté, donc pour la manche droit, on fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais laisser 15 mailles de chaque côté. Je place un marqueur, donc je vais laisser 15 mailles de chaque côté. Alors le motif il se tricote sur 13 mailles, d'accord. Donc vous avez 15 mailles de chaque côté. Alors pour le motif, voici donc le diagramme. Je vais vous mettre la photo, donc vous pouvez trouver la photo sur Pinterest parce que j'ai trouvé des images. Donc, vous aurez donc à reprendre donc ce motif de notre
La première partie, donc on va réaliser ces petites pattes de souris et vous avez le motif. Donc pour le motif, vous aurez à faire là, j'ai placé. Donc je vais réaliser les premières rangées. Et surtout pour bien faire 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le motif il se réalise sur 13 mailles. Vous avez 15 mailles de chaque côté et 13 mailles pour la réalisation du motif. Alors faites des petites boules de cette manière. Vous n'aurez pas beaucoup de petits, vous n'aurez pas donc du mal à réaliser donc le diagramme. Vous avez 4 mailles en rose pour commencer et avec la laine noire, comme ceci, on fait donc une. Alors ici il faut bien croiser le fil. Fait une maille croisée comme ceci, deux, et on fait trois, donc pour bien croiser le fil. Alors vous allez reprendre ce motif, donc ce diagramme sur les 13 mailles pour la réalisation donc de cette petite patte de souris. 1, 2, 3, 4, vous avez. Et alors là, c'est plus simple et plus rapide parce que on va travailler à plat, donc on va travailler en aller-retour et non travailler en rond, parce qu'en rond c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi donc j'ai voulu donc réaliser ce pull à plat, donc en aller-retour, très simple à faire. Donc la première rangée, je vais mettre la photo et que donc vous pouvez recopier le diagramme sur un petit bout de papier ou bien l'imprimer. Et pour donc la deuxième rangée, je vais réaliser les deux premières rangées et puis le reste on va faire hors caméra. Donc simplement pour vous montrer comment donc croiser le fil pour ne pas avoir un travail pas très propre, parce que pour le premier pull, j'ai fait donc l'erreur de travailler en rond aussi, donc c'était un peu compliqué. Donc le travail était un peu tendu, alors que si on travaille à plat, c'est plus facile de réaliser donc les rangées. Voilà. Donc vous faites une rangée aller, une rangée retour, c'est simple. Comptez donc une, 2 et 3. Alors ici donc je vais croiser le fil comme ceci. Cette manière, je vais emmener le fil à la fois. Fait 1 2 3 4 5 6. Donc là, je passe. Je change donc de laine, je vais prendre la laine couleur blanche. Voilà, donc je vais croiser les deux fils comme ceci pour emmener donc les deux fils, pardon, les deux morceaux de fil pour les emmener simplement parce que je vais avoir besoin de ces deux couleurs pour la troisième rangée. Ici, c'est pareil. Comme je vais terminer avec la couleur noire, donc je vais croiser le rose et le blanc. Voilà. Donc je vais lâcher donc le blanc pour continuer avec le rose et donc terminer la rangée. Donc voilà comment réaliser donc un diagramme. Vous croisez le fil et c'est simple et c'est très propre. Voilà. Ici,
Vous allez réaliser donc tout le diagramme de cette manière. Voilà. Donc moi, ça c'est la première manche que j'ai réalisée tout à l'heure. Donc gauche, ça c'était donc la manche droite, et pour la manche gauche c'est un peu pareil. Alors lorsqu'on aura terminé de réaliser le premier motif, j'ai monté 15 rangées en jersey endroit, 15 rangées en jersey endroit. Donc je vais cette fois-ci décaler de quelques mailles la patte pour qu'elle soit un peu plus à droite. Voilà, donc pour cela je vais diviser les mailles, voilà. Alors voilà le diagramme que j'ai refait tout à l'heure. Comme le diagramme il se réalise sur 13 rangées, sur 13 mailles, je vais décaler de fait donc, sur la 16e rangée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Trop. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 mailles. Là, je pose mon marqueur. Et donc ici, je vais prendre les 13 mailles pour le motif. Tout en commençant à réaliser donc la première rangée de notre motif. De cette manière, on aura donc les deux pattes qui seront décalées. Donc, 4 mailles en rose avant de commencer avec la laine couleur noire. Donc on fait la première rangée, ceci. Je vais laisser donc ce marqueur. J'ai une. Donc c'est le même motif, c'est le même diagramme que vous allez répéter après avoir donc décalé de quelques mailles. Et toujours croiser le fil. Fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, 7, 8, 9. On fait. Donc on prend les 13 mailles de notre diagramme. 6, tricote encore les autres mailles normalement. Donc voilà comment donc décaler le motif. Ça c'est pour la manche côté droit. À côté gauche ça sera un peu différent. On va décaler le même nombre de mailles mais juste en changeant de sens. Voilà. Donc pour la rangée retour, c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Vous croisez le fil. De cette manière, vous aurez toujours donc les deux morceaux du fil qui vont se suivre, que vous allez accompagner tout au long de la réalisation. Voilà. Alors, c'est un peu rapide, c'est très simple. Donc, je réalise les deux premiers rangées et le reste, on le fait hors caméra. Voilà ce que ça donne. Donc, imprimer le motif. Et une fois le motif imprimé, c'est plus facile de travailler après. Donc, lorsqu'on aura monté le premier motif, on monte 15 rangées en jersey endroit et on réalise donc un décal de quelques mailles. 15 rangées en jersey endroit. Et on réalise le deuxième motif. Donc après la réalisation, oups, un peu devant. Est-ce qu'il a fait chaud? Alors donc,
Après, je disais, après la réalisation du second motif, j'ai monté. On monte de nouveau 15 rangées en jersey en droit. Donc, au total, la manche vous fait au total donc 26 cm. La manche vous fait 26 cm au total. Donc après cela, je vais arrêter donc une maille au début de la rangée, une maille arrêtée et une deuxième maille. Je prends donc 3, 4, je tricote toute la rangée. À partir de là, je peux laisser donc les marqueurs. Et voilà. Donc pour bien réaliser ce pull, pour réaliser, je disais pour bien réaliser ce pull, donc imprimez vos motifs, ça sera plus facile. Alors le lien pour le motif, je vais le mettre dans la descriptive de la vidéo. De cette manière, vous pouvez donc télécharger le motif et les imprimer parce qu'il y aura deux motifs à imprimer. Donc on termine toute la rangée à l'endroit, ceci. Alors lorsqu'on va repartir, on va arrêter aussi côté gauche, on va arrêter deux mailles. Fait une et deux mailles. Et donc je vais faire donc sur les 43 mailles, on a arrêté 4 mailles et on va tricoter. Donc on va faire une rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'endroit. Et donc, une fois terminé le travail, je vais couper et je vais laisser en attente. Donc, sur une épingle, je vais laisser les mailles restantes en attente. Si. Vous montez pour commencer 40 mailles avec des aiguilles numéro 3. Vous montez 18 rangées en côte de 2-2 et vous augmentez de 3 mailles pour avoir 43 mailles. Et vous montez 6 rangées en jersey en droit avant de réaliser donc le motif. Après la réalisation du motif, vous montez 15 rangées en jersey en droit et vous décalez de quelques mailles. Vous réalisez le deuxième motif. Voilà comment. Et puis on arrête de 2 mailles au début. Alors, pour la manche côté gauche, c'est la même chose. Vous montez 40 mailles, 18 rangées en côte de 2-2, vous augmentez de 3 mailles, vous montez 6 rangées en jersey en droit avant de réaliser le premier motif. À la fin donc de la réalisation, pardon, du premier motif, vous montez 15 rangées en jersey en droit avant de réaliser, donc de décaler les mailles pour la manche côté gauche. Alors, on va réaliser cette deuxième partie. J'ai déjà réalisé le premier motif à l'identique donc de la première manche. Alors, je répète, le motif il se réalise sur 13 mailles. Toujours croiser le fil, croiser les fils, les deux ou bien les trois couleurs, croiser et on va monter un peu devant. Vous montez 15 rangées en jersey en droit. Alors, voilà.
Alors, ici, c'est très simple parce que c'est un bruit à jouer. Alors, pour décaler donc la deuxième patte, on a décalé à droite. Cette fois-ci, on va décaler à gauche. Ça va être la même chose. Alors, donc, pour décaler cette petite patte à gauche, on va faire l'inverse de la première manche. Cette fois-ci, je vais laisser. Donc, je vais tricoter une. Alors, vous m'excusez parce qu'il y a un peu de vent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On laisse donc le marqueur 16, 17, 18, 19. Donc 19 mailles, je vais dire 3, 4 et 5. Voilà. Alors, un peu de vent commence à souffler très fort. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Que dernière maille. Avant de poser donc le marqueur. Voilà comment on va décaler donc cette patte et côté gauche. Alors pour le reste, on va reprendre le même motif. On va enlever ça pour avoir donc les 13 mailles du motif que l'on va réaliser. Donc vous réalisez le motif. Et on se retrouve à la fin. Donc, après la réalisation du motif, on a décalé pour avoir donc les deux pattes un peu décalées l'une de l'autre. Voilà, donc après avoir réalisé les deux manches à l'identique, après les deux motifs, on arrête les deux mailles de chaque côté. On passe donc à la réalisation du corps de notre pull. Cette fois-ci, on va prendre le rose. On aura besoin du rouge. C'est une marque, c'est une laine donc spéciale bébé. Alors, vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Essayez de trouver à peu près les mêmes couleurs. Alors donc pour ce pull, c'est pas, vous pouvez prendre le bleu pour tout le corps, le rose pour tout le corps ou bien le blanc pour tout le corps. Donc vous adaptez le motif par rapport aux couleurs que vous aurez choisies. Pour le même, donc moi j'ai pris quand même un paquet tout à l'heure, en faisant 2, 4, 5. Alors voilà. Alors, j'en ai pris un paquet. Après, je vais réaliser un gilet pour Amélie. On se prépare pour l'hiver prochain. Donc, pour la suite, pour réaliser le col, le corps plutôt de notre pull. Ici, les deux manches, j'ai réalisé à l'identique tout à l'heure. On a décalé les deux pattes de quelques mailles. Donc, alors, pour le motif du corps, vous aurez donc ce diagramme de Mickey Mouse. Je vais laisser donc le lien pour télécharger le motif. Alors, moi, je l'ai trouvé sur Pinterest. Alors, il y a plein, voilà. Voilà le motif que j'ai choisi sur Pinterest. Alors, je l'ai imprimé, mais l'imprimé n'est pas bien sorti. Et du coup, j'ai utilisé les téléphones pour... Vous voyez, il y a une image. C'était pas... Il y a une image que je voulais. Elle n'est pas bien sortie. Donc, j'étais obligée de changer. C'était ça à l'origine que je voulais réaliser. Mais l'imprimé n'est pas bien sorti. Alors, voilà. Et donc, je me suis rabattue sur... cette image, alors j'en ai plein des images de Mickey Mouse ici pour des pulls et des gilets pour... Ah, voilà. Donc, je m'y suis rabattue sur cette image.
Il n'est pas si compliqué, c'est très facile, il suffit de faire attention aux rangées. Donc voilà, alors du coup, je vais utiliser les téléphones pour réaliser cette image parce que l'imprimé, j'ai essayé d'imprimer, c'était pas bien fait. La personne n'a pas bien fait l'imprimé, l'impression plutôt. Donc je vais utiliser mon téléphone pour réaliser ce motif. Et ça va être un peu compliqué parce que j'ai un problème des yeux. Commence à devenir vieille. Donc pour le dos, pour le devant, on va monter. Donc 60 mailles avec les aiguilles numéro 3, on monte 60 mailles. Pour le dos et le devant, ça va être la même chose. Donc on monte 60 mailles et on monte 18 rangées en côte de 2-2. Avec les aiguilles numéro 3. Après, donc je vais passer aux aiguilles numéro 4 et demi et je vais augmenter. Voilà. Donc, avant donc de réaliser des augmentations, je vais couper ce fil. Alors, donc je change d'aiguille, je passe aux aiguilles numéro 4 et demi. Et je prends je vais donc changer aussi de laine et je prends donc le rose. Et je fais un nœud pour ne pas laisser donc échapper la première maille. Je vais donc monter deux rangées en jersey endroit. Donc avant, c'était ça. C'est pas la même chose avec la manche. Je fais déjà une première augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voyez, une deuxième augmentation intercalaire. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, une troisième augmentation intercalaire, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, quatrième augmentation intercalaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cinquième augmentation intercalaire, 1, 2, 3, 4, 5, 5e augmentation intercalaire. Donc, au total, je vais réaliser 8 augmentations intercalaires pour avoir 68 mailles au total. Donc, ça, c'est pour le devant. Et pour le dos aussi, ça sera donc la même chose. On fait une augmentation intercalaire. C'est une maille. Voilà. Donc au total, j'ai 68 mailles. Moi, je retourne. Donc je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà. Donc on va tricoter toute la rangée retour, on va tricoter à l'envers. Donc, deuxième rangée. Après donc
la série des 8 augmentations intercalaires. On va tricoter la rangée retour à l'envers. Là, pour la suite, je vais réaliser sur les 68 mailles. Troisième rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit aussi. Et tout à l'endroit. On fait au total, on va monter. Après, donc, la série des augmentations. Deuxième, troisième rangée. Donc après les deux premières rangées en jersey en point, on va monter deux rangées supplémentaires. Donc au total, on aura quatre rangées en jersey en droit avant donc de réaliser le motif de notre pull. Alors, on termine avec la rangée retour et on va passer à la réalisation donc, de notre motif. Alors, pour la réalisation, ça va être la même chose, comme j'ai dit. Pour mieux travailler, vous allez imprimer votre motif. De cette manière, vous l'aurez en face. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec mon téléphone, je vais compter les mailles, je vais compter les rangées tranquillement pour avoir un joli résultat. Donc c'était pas juste, vous imprimez, vous aurez donc une feuille en face de vous qui va vous permettre donc de réaliser le motif. Alors là c'est simple aussi parce qu'on va travailler à plat, on va faire aller et retour, donc ça sera plus facile pour réaliser le motif. Donc on va faire une rangée aller et retour, donc vous aurez besoin du rose, du blanc, du noir et du rouge. Donc moi j'ai fait une petite boule en noir, je fais une petite boule en couleur, j'ai fait une en rouge et j'ai fait une en blanc. Donc au fur et à mesure que j'aurai besoin de compléter une couleur, je vais faire une petite boule comme ça parce que c'est plus facile de travailler. Là. Je réalise mes petites boules et je vais passer cette fois-ci à la réalisation de mon du motif. Alors pour le motif là c'est simple, pour le motif comme pour la manche, donc le motif il va se réaliser sur 48 mailles, donc vous aurez 48 mailles pour le motif. Donc on va laisser 10 mailles de chaque côté, vous laissez 10 mailles de chaque côté, 48 mailles pour la réalisation du motif. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. On marque ici. Et les 48 mailles pour le motif. Donc je vais laisser 10 mailles. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Donc 10 mailles à gauche, 10 mailles à droite. Le reste des mailles, elles vont compter pour notre motif. Alors, un peu de soleil. Et voilà, un peu de vent, un peu de soleil. Alors, on va réaliser le motif comme il faut.